Alors là, j'ai mis du scotch autour pour éviter de se couper. Et à l'intérieur, je vais mettre ça. Voilà. Alors dedans j'ai mis de la terre mélangée avec du marc de café parce que ça fait un très bon engrais. Et puis il y a des petites racines d'orchidées parce qu'en fait je vais essayer de replanter une orchidée qui je crois est un peu foutue. Mais j'ai quand même l'espoir, alors je vais essayer de la faire repartir. Voilà. J'ai coupé les petites racines en plein de petits morceaux. Et je les mets autour. Voilà. Et on verra ensemble, je vous dirai si ça a fonctionné, si ça l'a fait repartir ou pas. C'est des tests, hein. Personne m'a dit de faire comme ça. Je fais vraiment au feeling. Je fais mes petites expériences, voilà, des idées qui me passent par la tête, j'essaye. Voilà. Par contre, l'idée du marc du café, si je m'étais renseignée sur internet. Mais pour le reste, non. Une petite pousse pour les tomates. Comme c'est mignon! Elle est un peu cachée par la terre, mais derrière on voit une petite pousse trop mignonne. Regardez, je sais pas si vous voyez là. Ah, comment on fait? Ah, voilà. On voit que c'est une belle petite pousse verte. Voilà. J'avais planté les graines de tomates, les graines de clémentine. Je voulais voir si ça prenait. Je récupère les graines des aliments que je mange, hein. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'attends. Je les ai plantés peut-être une, deux semaines. Alors j'attends de voir s'il y a une pousse qui va arriver. J'ai mis ça autour en me disant que les clémentines, c'est quand même des fruits qui poussent dans des endroits assez chauds. Du coup j'ai mis ça en guise de serre. Voilà. Peut-être que ça va en faire rire certains, hein, parce que je suis novice. Alors voilà, c'est une idée qui m'est passée par la tête. Voili voilou. Et là, c'est une autre orchidée qui m'a fait deux magnifiques pousses. Elles sont toutes chouettes. C'est les petits chouchous d'amour. Voilà, j'espère qu'elles vont me faire bientôt des belles fleurs. Ouais, ça serait trop chouette. En tout cas, c'est joli, hein. C'est rigolo quand même, les pousses que ça fait, hein. Mais c'est délicat, une orchidée à garder. Alors, j'espère que je mets la quantité d'eau qu'il faut parce que... Je sais que c'est assez capricieux, ce genre de petit être là. Assez capricieux. J'ai changé d'endroit en espérant que la luminosité lui correspond. Voilà. Il paraît qu'il faut dire des mots d'amour aux plantes. Et je pense que c'est vrai. Il faut même leur chanter des berceuses. Non, ça vient de moi par contre. Mais je crois que ça a un véritable pouvoir positif. C'est ce que j'avais fait pour la tomate, ça a fonctionné, hein. Je lui ai dit que je l'aimais à fond et tout et tout. Regardez la petite pousse qu'elle m'a faite en quelques jours. Parce que j'ai planté les graines en même temps que ça, les clémentines d'ailleurs. Et voilà. Et celle-là, voilà, en fait, je les mets toutes dans le même panier. Maintenant, je leur fais un spectacle voilà, de mots d'amour, de compliments et tout et tout. C'est mon public en fait, vous voyez, c'est extraordinaire quand même. Ah là là, c'est génial. Je viens de me rendre compte qu'il y a une troisième pousse, alors je sais pas de quand elle date, mais elle est bien verte, elle est extraordinaire celle-là. Parce que quand même, je regarde cette plante assez souvent, et je la trouve bien grande. Alors c'est quand même incroyable.
Comment ça se fait que je l'ai pas vue et que d'un coup elle soit si grande? Enfin, c'est étrange. C'est extraordinaire, il s'est passé un truc magique ici. Bon, en tout cas, je suis bien contente. Troisième petite pouce. Bon, bah, elle est contente, hein. Ça veut dire que les mots d'amour fonctionnent, hein, écoutez. Extraordinaire. Je viens juste de découvrir ça. Bah, j'avais pas fait gaffe. Bon, en tout cas, je suis bien contente qu'elle se plaise, hein. Voilà.